Raphaël, partez. C'est mauvais. C'est mauvais, mauvais. Le niveau est mauvais ici. Les guignols, mais c'est mauvais. Moi, je quitte les lieux si ça continue comme ça. J'en ai marre maintenant. Et parler de cul, on aime. Non, non. Moi, je dis Tommy. Ouais. Next. Oui, tu le fais bien, Next. S'il te plaît. Next. Ouais. Quelqu'un veut du vin rouge? Le principe, en fait, c'est en fonction de la météo, de l'actualité, d'un événement, il y a un costume qui est adapté. Voilà, donc là, par exemple, on a eu une alerte orange. Donc, je vais mettre un ciré orange. Et je suis allée emprunter un casque de pompier à la caserne Quai des Bateliers avec beaucoup de mal, qu'on m'a prêté gentiment et que je devais devoir leur rendre parce que je leur ai laissé mon passeport. Après une alerte orange, très, très, très brutale tout au long de la nuit, une petite accalmie, peut-être au courant de la journée, mais aïe aïe aïe, il va pleuvoir, 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 c'est le mot d'ordre du jour. Alors si vous avez prévu un barbecue avec les amis ce soir, il va vraiment falloir changer d'idée. Si jamais il fait pas, voilà, si jamais le froid commence à tomber, on peut mettre chapeau, voyez, comme ça, voilà. Alors, Chervillers, super ville, Chervillers avec un seul R, bien entendu, on confond toujours, on met toujours deux R. Mais surtout, Chervillers, la capitale de Riesling, quand même le Riesling. Hein. Bon, une ingue, je connais un tout petit peu moins. Une ingue, disons voir que ça rime avec dingue, j'aime bien. Ah, merci, Christelle. Merci beaucoup, Christelle. Ah, attendez, j'ai loupé la fin. Donc, parce qu'imaginez qu'il fasse beau. Aujourd'hui, il fait très beau. Voilà. Oh là là, voilà. Là. Et je vois que le Secours Populaire a renouvelé son avis. Très stressant, mais je pense que c'est une bonne expérience pour la suite. Pour les entretiens qu'on va pouvoir passer par la suite, je pense que c'est une très bonne expérience. Aujourd'hui, dans le village de Föcklinfelsel, il fera pas beau, malheureusement, mais oui, comme vous pouvez le constater, il y aura de l'orage avec de la pluie qui persistera malheureusement toute la journée. C'est qui le méchant du jury? Le méchant, alors c'est celui qui est tout à droite. Ouais. Ça va, écoute, j'ai dû me dépêcher parce que j'ai eu une envie ultra pressante. J'en pouvais plus, donc j'ai dû quitter le jury. Donc je me dépêche pour rejoindre le candidat. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. J'ai une bonne nouvelle, pas pour vous, mais pour vos parapluies qui prendront une douche, car les robinets seront ouverts sur le Bas-Rhin. Une petite joie dans le quotidien, c'est un petit agrément du quotidien, il faut le voir comme ça, c'est pas autre chose, la vie est bien plus soucieuse que ça par ailleurs, je crois. Sur Strasbourg, on voit que c'est vraiment très couvert de nuages, et dans le sud de l'Alsace, chance, au bonheur, grand soleil, sortez les parasols, allez à la plage, c'est aujourd'hui ou jamais. J'ai fait du théâtre en faculté, j'ai fait un peu de cinéma dans Les Invincibles, j'ai tourné aussi dans Tous les soleils, alors je me suis dit de toute façon ça sera intéressant. On s'aperçoit que sur la gauche, dans la région de Sarre-Union, nos amis de Sarre-Union vont être beaucoup moins contents parce qu'il y a un temps couvert. J'ai une maîtrise en art du spectacle, option études théâtrales. Ça sera diffusé quand, le petit skate-out? Ah, je dois rester, là! On te kiffe! On te kiffe! Voilà, pour foutre la pression aux autres, là.